Et salut à tous pour une nouvelle vidéo, c'est Anis Gaming. Du coup les gars, aujourd'hui vous allez voir ce que je vais faire. Je veux pas spoiler mais vous allez voir. Du coup voilà, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager cette vidéo. Et moi les gars, je vous dis bon visionnage. Je vais aller embêter Monsieur Tobinson. Voilà, j'ai le double de ces clés. Ta 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 ta. Oh, il est en train de dormir. Tobinson, 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 Tobinson. Ah ah, je rigolais, monsieur Tobinson. Ah. Oh, mais vous êtes un zombie ou quoi? Oh, faites gaffe, vous allez me donner un coup. Attention. Oula, oula, Monsieur Tobinson, réveillez-vous, vous êtes insomniaque. Vous êtes somnambule, je veux dire. Ah, oh, tu m'as frappé. Ok, tu sais quoi, Nice? Va-t'en de cet appartement. Exclusion. Ok, tu rigoles, j'espère. Je vais pas quitter cet appartement. Ben si, tu fais des bêtises. Tu prends tes valises et tu dégages cet appartement. Oh, oh là. Oula, c'est bon, Monsieur Tobinson, c'est bon. Oh. C'est bon, Monsieur Tobinson, c'est bon. C'est bon, c'est... J'ai tous mes affaires dans mon inventaire. C'est bon, je prends le chat, c'est bon, je me casse. C'est ça, prends ton chat. Bon, viens. Non, mais Monsieur Tobinson, je rigolais, enfin. Non, tu dégages. Ok, c'est bon. Et que je te vois plus jusqu'à nouvel ordre. Mais... Voilà. Et mon chat n'est même pas venu en plus. Où je pourrais vivre à partir de maintenant? Ah, t'es venu, toi. Oh, j'ai oublié tes croquettes à la maison. C'est pas grave, j'en chercherai dans l'inventaire. Arrête de bouger, s'il te plaît. Bon. Où je pourrais vivre cette nuit? Oh là là. Sérieusement. Il m'a pas fait exprès. Je voulais juste rigoler. Sérieux, quoi. Je peux vivre ici. Bon, Miché, viens, s'il te plaît. Le chat, voilà. Reste. Assieds-toi, le chat. Assieds-toi. Voilà, gentil chat. Je crois que pour cette nuit, on va juste dormir ici. Bon, tant pis, je vais dormir par terre, hein. Allez. Bonne nuit. Oh, ah, c'est vrai, je suis pas chez moi. Oh. 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 Bonjour, monsieur. Mais qu'est-ce que vous faites dans ce snack? Dégagez. Vous n'avez rien à faire. Non, c'est bon, c'est bon. J'ai juste passé la nuit ici. Vous mettez vos microbes. Vous dégagez de ce snack. Ce n'est pas un hôtel. Dégagez. Mais... Oh, pas juste. Où je pourrais dormir maintenant? Je vais pas faire un snack chaque nuit quand même. Tiens, quoi que, je peux vivre ici ou pas? Oh, y a quelqu'un? Ouais, je crois qu'on va vivre ici. En plus, je crois que cet appartement est alloué, du coup, je pourrais vivre ici. Ok, je vais vivre ici. Mais juste avant tout, je vais inspecter les lieux. Mais non, il y a des araignées. Je veux pas vivre ici en fait, c'est bon. Bon, le chat, où tu vas? T'as trouvé un appartement, toi?
Où tu vas? Non, mais c'est pas vrai, ce... Bon. Il n'y aurait pas un appartement libre. Un seul appartement. Un seul. Je pourrais voir Damien? Non. C'est bizarre, non. Il n'y a pas d'appartement pour moi. Il n'y a pas... Ah. Tous les appartements sont pris. Et cet appartement est pourri. Oh. Oh, c'est quoi cette maison? Tiens, je pourrais vivre ici. Tiens, tiens, tiens. Ben ouais, mais il est même pas libre, l'appartement. Il n'y a rien. Bon, qu'est-ce que je pourrais faire? Salut, villageur, c'est moi, Yanis. Tu sais où est Aglis? Tu sais pas où il est? Oh, c'est pas grave, je vais voir Trubinson. Trubinson! Oh! Toi aussi, sors de cet appartement! Mais il est où, Agnès? Il est parti de cet appartement pour déménager ailleurs. Oui, il vit où maintenant? Je sais pas. Bon, allez, j'espère qu'ils vont m'accepter. Bonjour, est-ce que vous pouvez me laisser vivre dans cette pharmacie? Non. S'il vous plaît, laissez-moi vivre dans cet appartement. Ça fait 15 minutes que je cherche. S'il vous plaît. J'appelle la police, monsieur. Hé, hey, vous êtes Damien? Non, je suis sa sœur. Quoi? Ah, vous êtes son mari, désolé. Bon, désolé, Miché. Il n'y a pas d'appartement libre pour nous. Je crois qu'on va vivre à la rue et faire la manche. Allez, comme tous les sans-abri, je pense que j'ai trouvé mon endroit. Et cet endroit, c'est sous le métro de la Rose. Oh bon, oui, il fait froid. Bon, on est en mois de juin, mais il fait quand même froid, mais bon, allez, j'essaie de dormir. Allez. Chut, oh, j'arrive pas à dormir. Bon, allez, j'ai réessayé. Oh, quel horrible cauchemar. Oh, wow, mais faites attention, vous m'avez presque écrasé. Oh là là, ces bus là. Il faut que je trouve un autre endroit. Bon, alors, où je peux vivre? Il n'y a rien. Non, désolé, vous pouvez pas vivre ici. Non, t'as craqué ou quoi? Je peux pas dormir ici. Non, monsieur, vous pouvez pas dormir chez Burger King. Non, désolé, cette pharmacie n'est pas à vendre, monsieur. Mais, oh, j'ai rien trouvé. Je crois que je vais vivre dehors, comme tous les sans-abri. Mais, il est où mon chat? Le chat. Youhou. Oh, même mon chat a disparu, c'est trop. C'est la deuxième fois que je repère mon chat, c'est pas vrai ça. Je sais même pas si c'est vraiment mon chat. Bon, il me reste une chance. Allez. S'il te plaît, Damien, je peux dormir chez toi, s'il te plaît. Non. Mais pourquoi, en fait, je veux dormir chez moi? Mais parce que Monsieur Tobinson m'a exclu. Et puis, je crois que j'ai compris. Tobinson t'exclut comme d'habitude, non? Oui. Eh bien, je crois que tellement tu l'as énervé qu'il raconte n'importe quoi. Attends, je vais tout venir. Je vais venir lui expliquer. Mais enfin, Monsieur Tobinson, vous n'avez pas honte de ce que vous faites? Ben quoi? Vous avez fait partir votre ami. À cause de vous, il doit vivre dans la rue, comme les sans-abri. Eh ben non, c'était une façon de parler. Moi, je croyais pas qu'il allait vraiment partir. Ben oui, monsieur, faites attention à votre langage. Vous n'avez pas honte? Oh, c'est bon. Il peut revenir, Anis. Tu peux revenir. Oui, merci beaucoup. Même mon chat est content. Regardez. Oui. Mon chat. Ah,
que ça m'avait manqué. Je ressens l'ancienne odeur. Mais, Yanis, qu'est-ce que tu fais? Je t'ai attendu pendant 4 jours. Allez, fais-moi un gros câlin. Désolé, Mr. Hobbitson racontait n'importe quoi. C'est pas grave, hein. Il est fou. Bon, allez, ciao. Quoi? Mais, attends. Je finis la vidéo, après je sors avec toi, d'accord? D'accord. Donc voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager. J'ai enfin retrouvé mon appartement et voilà les gars, moi je vous dis ciao et à la semaine prochaine.